Dimanche midi, je viens voir le rucher pour voir l'affluence des frelons. Alors, cette première ruche, je vois pas de frelons, j'en vois jamais. Dans cette tente, il y a souvent des frelons captifs. Bon, il n'y a pas de frelons devant les ruches pour l'instant. Là, j'ai vu un frelon, je crois. Là, je le vois plus. C'est une blague. Ah si, il est là. Voilà un frelon qui vole là dans la tente. Il vole assez rapidement. C'est un frelon qui s'est fait capturer il n'y a pas longtemps. Il vole et je crois qu'il a une abeille. Il a capturé une abeille. Il se pose un peu là. Ok. La tente suivante. Je vois pas de frelons dans la tente. Là, des ruches. Tac. Des ruches sans frelons devant. Ok. Tente suivante. Tente suivante. Pas de frelons dans la tente. Très bien. Pas de frelons devant la ruche. Ici, pas de frelons devant la ruche. Pas de frelons dans la tente. Ça fait 2 jours que je vois une diminution de la pression. Ici, devant les ruches, je vois pas de frelons, ça se voit assez facilement les frelons. Dans cette tente, très peu d'abeilles qui montent, mais on voit des abeilles qui montent dans la tente, très peu, pas de frelons. Ici, il y a une tente qui a disparu, elle est partie à Civry. À Civry, j'ai mis une tente, c'était hyper calme. Il y a 4 ruches, très tranquille. Hier, c'était tellement calme, j'ai quand même mis la tente, je verrai bien la prochaine fois que j'irai, j'ai pas vu de frelons. Là derrière, j'ai une tente couvrante avec 2 frelons qui ont été capturés il n'y a pas longtemps. Ils volent bien. On les voit hein, là. Un frelon devant là. Qui marche, qui vole. Et au fond, on voit un frelon qui a capturé une abeille, qui l'a découpée. Ce frelon la vole, il a lâché son abeille. Ou alors il n'en a jamais capturé. Et enfin, dernière tente, ici. Fais gaffe à pas me faire piquer. Là, je vois une tente 6 mm qui marche nickel. Hein. 6 mm, c'est génial. Ah non, ça y est piqué. C'est pas vrai. Non, c'est bon. Chier. Piqué à la tête, encore une fois. Parce qu'ils ont un piqué à la tête. Non, mais c'est bon, je me poursuis encore. C'est bon, quoi. Faut me lâcher. Je cours comme un dingue. Je pense qu'elle continue de me courser. Fait chier. Merde. Merde, merde. Voilà encore le dard là. Je sais pas pourquoi elle me pique comme ça. Je dois être appétissant ou je sais pas. C'est un peu une bizarrerie quand même. Hein. Bon, je respire. Bon, bah, je crois que j'ai filmé là-bas. Il y a la tente 6 mm. Et il y a 2 frelons qui ont capturé. Donc c'est pas mal. Belle capture. J'ai envie d'aller voir, mais j'ai un peu peur. Merde. J'aurais dû mettre l'habit. Hop. Chier les abeilles. Ça fait mal les piqûres à la tête. Déjà, j'avais mal à la tête avant. Chier, quoi. Bon, le bilan. Le rucher est archi pas sous pression. Les tentes capturent un frelon qui vient d'arriver. On va voir si on le capture. Il s'est présenté devant la porte. Il a fait le tour de la tente. Il est derrière. Oh, il est. J'ai envie d'aller filmer mes 2 frelons captifs là-bas dans la tente. Je ne les ai pas bien filmés. Je vais y aller. Tiens, j'ai une nouvelle tente là que j'ai récupérée
de la couturière qui a réussi à faire une tente. Super, je pense que ça va se débloquer. Je vais le mettre sur ma tête pour me protéger. Hop. Hop. Et je vais m'approcher là-bas. Je vais passer derrière les ruches. Voilà un frelon captif, l'autre je le vois plus. Voilà. Ici, il y a toujours les deux frelons, capturés. Hop, je remets ma protection, je vais traverser les ruches agressives. Tac, tac, tac. Frelon est là. Ils sont gros les frelons, je trouve. Wow, un frelon qui essaie de rentrer dans une ruche, ça j'aime pas trop. Tiens, il n'a pas peur ce frelon, il se pose sur la. Waouh, le frelon est rentré dans la ruche. Hein. Wow. Alors, ça j'aime pas du tout. Je vais aller chercher les portes. Hein. Waouh, frelon qui rentre dans une ruche. J'espère que cette ruche est pas. Il y a des abeilles qui rentrent, hein. Normalement, j'espère que cette colonie va bien. Et les frelons ne ressortent pas. Eh ben. Ça, c'est délirant. Bon, je vais ressortir les portes. Si les frelons commencent à rentrer dans les ruches, je comprends que les abeilles soient nerveuses. Toujours pas ressorti, frelon. Bon, ben, j'ai une tente de plus, je vais la monter. Je vais regarder si elle est bien. Et je vais l'envoyer à Alexandre. Pauvre Alexandre, je lui promets une tente depuis Perpète. Mais là au moins je vais lui envoyer, plutôt que de lui envoyer du matos pour le faire, il va galérer. Je préfère lui envoyer une tente entière. En plus, je pense que c'est mieux de filer des tentes toutes faites parce que je pense que si les gens construisent leur propre tente, ils vont se planter et être déçus par le résultat et ça ne fera pas une très bonne publicité. Donc en fait, j'ai remarqué que c'est vraiment très facile de modifier un peu la. Tiens, il ressort, ce frelon. Il ressort, je sais pas. J'arrive pas à voir s'il a une abeille. J'ai pas vu, il est parti. Il est parti dans les airs, donc à mon avis, il y a peut-être une abeille. Hein. Bon, et apparemment, on peut très facilement modifier un peu la tente et la rendre complètement inopérante. Donc, c'est chiant. Un peu chiant. Donc il faut distribuer des tentes rapidement. Tiens, capture de frelon en cours là. Il est au bon endroit dans la tente. Il est devant la porte. À l'intérieur de la tente. Putain, il rentre dans la ruche. Hein. Il n'a pas peur. Hein. Voilà, il monte un petit peu, c'est bon ça. Hop. Pour l'instant, il chasse bien. Il a capturé. Il a capturé. Il a capturé, je lui ai tapé dessus. Il était en train de partir une abeille, je lui ai tapé dessus, il a lâché l'abeille et il est parti. Donc il était en train de réussir à capturer. Alors qu'il était dans la tente, il a eu de la chance de sortir dans la bonne direction. Bon. J'ai pas envie de rester là parce que ça pique. Je vais m'écarter un peu. Et je vais aller monter la nouvelle tente. Ça fera une tente de plus. Il faudra que je décide où je la mette. Non, je vais la tester et tout de suite l'expédier. Comme ça, on va booster un peu. Il faut vraiment là qu'on
qu'on décolle avec la distribution des tentes. C'est trop dommage de perdre une saison. Il y a pas mal d'endroits, y compris dans l'Essonne. Là, l'éleveur, là, à Gomès, il me dit qu'il n'a pas de frelons. Il a beaucoup de chance. Donc, je pense que c'est aléatoire. Je pense que les gelées d'avril ont détruit énormément de frelons. Et les frelons qu'on a, à mon avis, c'est ma théorie, c'est des frelons qui sont sortis après avril. Et ça explique pourquoi ils sont si en retard. Ils sont un mois en retard. Ils ont commencé à créer leur nid un mois en retard. Résultat, ben, on les a vus fin août au lieu de mi-juillet. Et puis même, c'est dommage, j'ai perdu une vidéo qu'on m'avait envoyée. Quelqu'un qui pensait avoir des abeilles, mais c'était des frelons. Et on voit que ça fait même pas quelques jours, 2-3 jours. Et on voyait un nid de frelons minuscule. On est carrément en septembre et les nids sont minuscules. Ça prouve bien que ces nids ont décollé très tardivement. Un frelon qui se pointe là. Il tourne, il vole assez vite, à mi-hauteur. Hop, il s'approche. Il est à l'entrée de la tente. Il va tellement vite que ça ne va pas être bon pour lui. Voilà. Un frelon qui s'agite comme ça, il a tendance à monter dans la tente. C'est un éclaireur. Il a tendance à rentrer dans la tente beaucoup plus facilement. Le frelon qui était précédemment. Je l'ai vu partir super vite, c'est pas possible qu'il ait capturé une abeille. Il est parti trop vite. Le frelon qui arrivait précédemment, c'était pas un éclaireur, il avait l'air de chasser. Donc il chassait mieux. Celui qui arrivait, là, il allait trop vite. Il est sorti à toute vitesse, j'ai du mal à croire qu'il ait capturé une abeille. Mais qui sait? Parce qu'il est vraiment parti. Toute vitesse. Un frelon comme ça, trop rapide, il a toutes les chances de se faire capturer parce qu'il fait des mouvements brusques. Et il tape dans la tente, il monte dans la tente et se fait capturer. Bon. Il fait plus beau un frelon ici, à l'entrée de la tente. Très très rentré dans la tente. Il y a beaucoup d'abeilles qui rentrent dans cette tente. Oh là là. Le frelon fait face à la ruche cette fois. J'espère que je vais mettre mon protection. Ah, il est monté par derrière. Il a monté. Ah ah ah. Ouais. Il a tapé. Il monte. Il est en haut de la tente, à mi-hauteur de la tente. On va voir s'il se fait capturer. Il s'intéresse aux abeilles sur le voile et il monte énormément. Donc là, c'est un frelon qui est foutu. À l'endroit où il est maintenant, il est foutu. Il va à la fois essayer de sortir par le haut et peut-être s'intéresser aux abeilles, mais il va pas redescendre, c'est impossible. Voilà une capture de frelon sympa. Là, je me recule un peu. Je pense qu'une piqûre par jour, ça suffit pour conserver l'immunité. L'immunisation, je pense que c'est pas la peine d'aller plus loin. Alors moi, je suis contre les piqûres de Covid. Mais alors, les piqûres d'abeilles, j'ai ma dose. Hein. Je peux dire que là... Bon... Faut que j'arrête là. Faut que j'arrête et que je monte ma tente. Allez, cette vidéo est terminée. Ça sera la visite de dimanche. Et je m'occupe de la tente. Stop.